Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, je vous fais l'entrée au téléphone. Il est 13h. Je viens de me lever de ma sieste. Entendons-nous bien, je viens de me lever de ma sieste. Parce que j'ai Enzo qui est là depuis ce matin, depuis 7h. Ouais, 7h. Mais il a fallu que j'aille redormir parce que j'ai très mal dormi et j'ai la kiné tantôt en plus. Donc, vu que j'ai mal, si je dors pas assez, j'aurai encore plus mal. Mais il faut quand même que je vous montre. Je vous raconterai mon petit week-end demain quand on sera tranquille, peinard, demain matin. Georges sera au lit, Enzo sera reparti. Voilà, voilà. Mais il fallait que je vous montre la famille de Geek ici. Donc, ça m'a descendu sa PS5. Et sa télé, il faudrait peut-être qu'il fasse des poussières dessus d'ailleurs, pour jouer avec son frère. Sauf que son frère a ramené aussi sa PS, puisqu'il la prend avec le week-end chez sa copine, et que là, il l'avait avec lui. Et puis il y a la mienne. Donc ça fait quand même que 3 PS5 dans la maison. La logique des choses. Famille de Richizi, voilà, 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 voilà. Bref, là ils sont dehors. Et voilà. Donc là, je vais reprofiter un peu d'Enzo avant qu'il reparte. Puis après, je me préparerai pour la kiné. Il y a le poil qui est en train de s'éteindre, donc le poil chelou, ça doit être ça. Si vous vous posiez la question. Et avant que Enzo reparte, on va faire un test avec le live. Quand Sam il joue. Ah oui, mais il n'est pas en haut. Ouais, je ferai un test tantôt alors. Parce que hier j'ai lancé un live, mais j'ai dû le couper aussi sec sur Twitch. Hein. Mais ça, je vous expliquerai tout ça demain. Parce que je me suis engueulé par téléphone, parce que du coup, ça avait des coûts de son jeu. Donc, je me suis engueulé. Voilà. Mais ouais, pas Family Geek du tout. Hein. Et l'autre, il descend tout en haut. Alors, j'ai. Pourquoi tu fais ça? Bah, pour jouer avec mon frère. Bah, j'ai dit d'habitude, vous jouez ensemble, vous êtes même pas dans la même maison. Ils sont pas nets. Ils sont vraiment pas nets. Voilà. Bon, allez, sur ce, on se dit deux jours. Je vous prendrai plus longtemps demain. Et voilà. Tout simplement. Alors, il est 9h30. 36, très précisément. Voilà, tout simplement. J'ai les carreaux dégueulasses. Ça fait quelques jours que je suis levée maintenant. J'ai fait un montage, j'ai fait mon lave-vaisselle. À croire qu'elle le fait exprès. Je regarde une vidéo, je fais un montage, j'enregistre quelque chose, je pars en live. Il faut qu'elle fasse le bordel. Hey! Hey! Eh oh! Oh, je n'en peux plus! Bref, alors je vais déjà vous raconter mon week-end avec Riley en fond, hein, désolé. Je me suis bataillée vendredi avec Twitch. Donc voilà, je vous avais dit que finalement je reprenais pas ma chaîne gaming et finalement je reprends ma chaîne. Alors, je voulais diminuer ma charge de travail sur YouTube. Donc, j'avais diminué les vidéos ici. Et finalement, je reprends la chaîne gaming. Donc, ça me fait une chaîne en plus à gérer. Et Twitch. Donc, ça me fait deux chaînes en plus à gérer. Ce qui n'est pas difficile en soi, puisque Twitch, c'est déjà que des lives. Donc, voilà. Quand j'ai le temps, je me connecte à la PS, je live. Je mets la rediff sur la chaîne gaming puisque sur Twitch elles sont valables que 7 jours. Et après vous ne les avez plus, donc comme ça vous avez les rediffs quand même qui restent quelque part. Donc vous avez le lien de ma chaîne Twitch en barre d'infos, n'hésitez pas à venir me rejoindre et à me follow, voilà, ça fait toujours plaisir à être présent sur les lives, comme ça me fait des interactions. Parce qu'ils sont moins gourmands pour avoir l'affiliation, ils sont moins gourmands en
données de base, je veux dire, puisqu'il faut que 50 follow, enfin voilà, il faut pas grand chose pour avoir l'affiliation chez eux. Après, je ne sais pas si ça paye mieux que YouTube ou pas. Je me demandais toujours pourquoi les gamers maintenant ont une chaîne Twitch et YouTube. Ben, en fait, j'ai compris, c'est que Twitch, ça paye pendant le live. Après, ça paye plus. Donc, les rediffs sur YouTube payent. Voilà. Tout simplement. Et je ne m'épuise. Voilà, c'est les garçons qui m'ont dit, parce qu'ils ont une chaîne Twitch également. Hein. Leurs chaînes sont dans mes favoris, dans mes recommandations sur mon compte Twitch. Donc j'ai fait mon premier live, tout s'est super bien passé. J'étais toute seule, hein, comme une brave. Le deuxième que j'ai fait, il y a Trinity qui est passé et on a passé un super bon moment. On était toutes les deux en tête à tête, voilà. Mais on a passé un bon moment, on a bien discuté. Donc voilà, pour ceux qui ne me suivent pas, qui ont un compte Twitch, bah, n'hésitez pas à venir. Et si vous n'en avez pas, c'est gratuit, vous pouvez vous en créer un aussi. Et les interactions sont plus faciles. Enfin non, c'est pas plus facile en fait, c'est exactement la même chose que sur YouTube, c'est juste que ça rapporte un peu plus de sous directement. Que après les rediffs rapportent un peu plus de sous sur YouTube. Mais pour se faire connaître du côté gaming, il vaut mieux passer par Twitch. Donc c'est les garçons qui m'ont dit, vas-y, fais-en une, tu verras, c'est sympa et tout, la communauté est cool. Donc on verra ça. Comme je vous l'ai dit, je fais un live quand je peux. Quand je veux et quand je peux. Là, je vais certainement en faire un juste après vous avoir laissé. Samedi, j'ai fait mes petits soins d'ongles et tout ça. Voilà. Là, ce soir, je vais chez le médecin, donc elle va pouvoir regarder mes ongles et je vais pouvoir faire ma vidéo nail art probablement ce soir ou demain. J'ai mis un vote sur Insta parce que j'ai vu un réel d'une femme qui a laissé pousser ses racines grises. Et le rendu est tellement beau une fois qu'elle a les cheveux tout gris. Alors oui, quand c'est les repousses et tout ça, comme j'avais, c'est un peu perturbant. Et du coup, je vous ai mis un sondage pour voir si j'arrêtais l'écolo ou pas. Il n'y a que deux personnes qui ont voté que je devais continuer l'écolo. Tout le monde a voté que j'arrête parce que ça rendait trop bien. Donc, je vais essayer de retenir le coup sans faire de colo. Parce que j'aime trop le rendu et elle fait tout tomber. Je me suis souvenu qu'à une époque, je voulais me décolorer les cheveux, me les faire en gris quand j'étais jeune. Maintenant que j'ai les cheveux gris naturellement, je fais des colos. La ville qui ne sait pas ce qu'elle veut. C'est pas nouveau. Hein. Regardez avec la chaîne gaming. Mais ça, c'est dû à mon problème de personne multipotentielle. J'ai trouvé un article. Je vous le mets en barre d'infos, mais je pense que je vais faire un live, je ne sais pas quand, pour partager ça avec vous. Parce qu'il y a vraiment des trucs que je me suis dit, ah, ben voilà, ceci explique cela. Le soir, on a été au restaurant avec ma belle famille pour l'anniversaire de ma belle-sœur. On a passé un super moment et on a super bien bouffé. Oh, pour ceux du coin, on a été manger au restaurant La Saint-Mardoise à Saint-Marc. Et c'était super bon, c'est un petit restaurant vraiment tout petit, hein. Comment italien. Oh, qu'est-ce que c'était bon. Alors, j'ai pas pris d'entrée parce que c'était entrée plat dessert. J'ai pas pris d'entrée pour pas me casser l'appétit. J'ai picoré un peu dans les assiettes de tout le monde. Oui. Et comment. Moi, j'ai pris une pizza après, une capricciosa. Ouais. Artichaut et champignons et olives. C'était super bon. Wow. Et le dessert, alors je voulais prendre une mousse au chocolat, mais il n'en avait plus. Donc j'ai pris un tiramisu, tiramisu maison extra. Franchement, très bon. Le dimanche, j'ai fait une vidéo, plus un TikTok sur un de mes rêves. Ça vous a beaucoup plu. Le rêve avec Jon Snow, pour ceux qui me suivent sur Insta. Je vous l'ai mis en short, je pense que vous l'avez demain, je ne sais plus, j'ai un bug sur YouTube, je ne sais plus changer de switcher entre mes chaînes et je ne sais plus aller sur Studio pour voir mes trucs, donc c'est géant, je sais passer par le téléphone mais pas sur le PC, ben, je peux regarder sur le téléphone, en fait je suis con, mais c'est extrêmement chiant, voilà. Je voulais programmer pour...
le 2, donc je pense que vous l'avez déjà eu. Attendez, je regarde mon planning parce que j'ai pas les dates en tête. Oui, vous l'avez eu hier en short. Ça a beaucoup plu sur Insta et sur TikTok, ça a beaucoup fait rire. Et j'en ai plein en stock. Hein. J'en ai tourné un deuxième, mais Mamie Boulette a encore frappé. J'ai supprimé celle que j'avais déjà fait le montage et celle que je n'avais pas fait, je l'ai supprimée. Mais du coup, je me suis dit, si jamais vous êtes comme moi et que vous faites des rêves chelous, enfin chelous, je ne sais pas, enfin, des rêves que vous voulez partager, qui sont un peu cocasses ou des choses comme ça, envoyez-les moi par mail. Comme ça, quand j'en ai plusieurs, je ferai un live où je découvre, je ne les lirai pas à l'avance, je découvre avec vous en live les rêves des gens, mes abonnés. Et voilà, donc, vous avez l'adresse mail en barre d'infos, hein, et dans la... Comment ça s'appelle quand on envoie un mail, la description du mail... What the fuck, comment ça s'appelle ce truc? J'ai oublié. Quand on envoie un mail dans l'objet, merci Gmail, mettez-moi juste un bref descriptif de votre rêve, comme ça, ça annonce la couleur directe. Voilà, ça peut être sympa. Là, il faut que j'attende. Ah oui, j'ai un devoir, j'ai le colis de ma nièce qui arrive. Ma nièce m'a demandé de lui commenter un truc sur Amazon et il arrive aujourd'hui. Voilà, si jamais vous avez des rêves que vous voulez partager un peu cocasses, drôles ou flippants, voilà, mettez-moi ça par mail. Et dès que j'en ai quelques-uns, je ferai un live pour les découvrir avec vous, ça peut être sympa. Ensuite, j'ai refait un live Twitch et là, gros bordel, ça m'a bugué total sur sa console. Ça lui a coupé carrément toute la connexion sur sa PS5. Donc on n'a pas compris parce que les deux premiers que j'ai fait, ça s'est passé nickel. Et puis là, ça bug. Donc maintenant, je suis obligée de négocier avec lui pour pouvoir faire un live quand il est réveillé. Là, j'ai en profité parce qu'il dort. Et à mon avis, il va dormir pendant un bon moment. Et ensuite, je dois enregistrer les vidéos... une vidéo pour la chaîne gaming, mais ça comme j'enregistre l'écran, j'ai pas besoin de connexion, donc je pense que je vais commencer par le petit live, ça peut être sympa. J'ai regardé un peu pour voir, parce que Enzo m'a fait tester la cam PS5. Sur PS vous êtes obligé d'avoir les cams PS pour pouvoir vous filmer la tronche. Vous pouvez pas mettre n'importe quelle webcam, vous pouvez mettre n'importe quel micro mais pas n'importe quelle webcam. Sur Xbox c'est l'inverse. Vous êtes obligé de prendre le micro Xbox, mais vous pouvez mettre n'importe quelle webcam. Faut bien qu'ils vendent un truc. Hein. Mais il y a quand même 60 balles, donc j'hésite un peu à la prendre. J'en ai vu une hier à 20€ sur Vinted. Le temps que je discute avec Enzo pour voir si ça valait vraiment le coup que j'investisse 20 balles maintenant, elle était vendue, forcément. Donc je vais surveiller de temps en temps. Là, il y en a des à 30 balles, hein, mais... je vais surveiller de temps en temps. Si j'en vois une à 20€, je la prendrai peut-être. Je ne sais pas, je verrai bien. Après, quand c'est sur les jeux PC, là, j'utilise le programme directement pour streamer Xbox. Ouais, c'est Xbox hein, sur PC, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et là, du coup, je peux mettre ma webcam et tout intégré. Donc, j'ai pas trop de soucis là-dessus avec OBS ou des choses comme ça. Mais là, j'ai directement le programme. J'ai réussi à réinstaller OBS sur mon PC, sur mon Mac. Une vieille version, hein, très vieille version. Donc du coup, je pourrais le faire comme ça en important l'image de la PS5 sur l'écran Mac. Il faudrait que j'essaie. Je ne sais pas trop. Là, il faut que ça me fasse la connexion entre les deux, entre l'écran et la PS. Donc ça sera peut-être pour demain matin, je ne sais pas. Demain matin, il faut que je filme. Ouais, demain matin, il faut que j'ai une vidéo à filmer. J'en ai qu'une, je crois. Comme ça, je vous ferai un TikTok rêve en même temps, au passage. Et voilà. Donc ça, c'était pour mon petit week-end. Donc, voilà. En résumé, j'ai ma chaîne Twitch et gaming qui est en barre d'infos. N'hésitez pas à venir me suivre sur un ou sur l'autre. Ou encore plus apprécié, sur les deux. Et par contre, pour l'instant, j'ai pas de programme. Hein,
de publication de live ou des choses comme ça, puisque c'est vraiment au feeling, hein. J'attends de voir si ça marche ou pas, que ce soit sur Insta, sur Twitch ou sur YouTube. Mais sachez que pendant 7 jours, vous avez les rediffs sur Twitch, directement disponibles sur Twitch, et que après, vous avez de toute façon toutes les rediffs dispo sur YouTube, sur ma chaîne gaming. Voilà. Et comme ça, je me mets du travail supplémentaire. Ouais, je crois que j'aime le stress. C'est pas possible autrement. C'est bien ça, c'est bien. Ramasse les crasses que tu as fait. Ils ont renversé leur bouillie. Je vais pouvoir jeter le carton, il faut que je fasse leur cage aujourd'hui. Mais j'attends que ça me soit pour qu'ils m'aident parce que j'arriverai pas à frotter les barreaux. Je crois que je pourrais essayer, je ne sais pas. Là, je vais déjà faire un petit live pour m'occuper. J'ai déjà pas chômé ce matin. Là, je vais préparer ma machine aussi pour la faire tourner à 22h. Après, il faut que j'ai, enfin, à 17h30, j'ai rendez-vous chez le médecin pour avoir les rendez-vous de ma prise de sang, de ma biopsie pour ma mucose et tout. Mes ongles vont beaucoup mieux, hein. Ils repoussent bien. Donc voilà, là, je veux juste, j'ai rien mis dessus pour lui montrer parce qu'il y a encore juste l'index et le pouce ici que j'ai un petit peu de trucs durs en dessous. Je sais toujours pas ce que c'est, j'arrive pas à l'enlever, mais je pense vraiment. Je pense pas que ça soit de nouveau toujours un champignon. Je pense que c'est vraiment la peau que, à force de chipoter, ça a durci en dessous de l'ongle. Mais voilà. Ce soir, je vais pouvoir refaire mes ongles. Ce soir ou demain, grand max, je vais enfin pouvoir remettre des ongles. Enfin, quoique les miens ont déjà bien poussé. Hein, mais voilà. Pour que ce soit vraiment joli et qu'ils soient tous à la même taille, je vais quand même faire. Tu fais quoi, Yuki? Ah non, c'est Riley. Mais t'es con ou t'es ou tu le fais exprès? Pourquoi faire simple quand on peut qu'on peut faire compliqué? Bah oui, bah prends ton jouet. Allez, vas-y. Elle pouvait. Le truc était coincé comme ça derrière ma roulette. Elle pouvait l'attraper par là, mais elle passait en dessous de la roulette. Non, j'aurais pas dû lui donner tout de suite, j'ai oublié qu'il faisait poète poète, tu vois. Et qu'elle a découvert qu'il faisait poète poète. Au début, elle n'avait pas découvert, donc ça allait. Maintenant, elle a découvert. Faites des gosses. Bon, bah écoutez, voilà. Maintenant, j'ai un café. Et maintenant, elle va emmerder les titis. Vas-y, griffe mon meuble. Hein. Après tout, tu vas pas abîmer assez de choses. Hein. Il faudrait que je refasse mon canapé aussi correctement. Ok, allez, sur ce, bah, on peut switcher de jour. Alors, il est 14h20. J'ai rien glandé. Absolument rien. Je suis en train de réfléchir, mais j'ai absolument rien fait. Non, je crois pas. J'ai froid là, je vais rallumer mon poêle. Je suis gelée. Sam est parti avec son frère traîné. Donc je suis toute seule encore quelques heures. Ça fait un bien fou. Hier j'ai été chez le médecin. Oui, c'est pour ça que je vous prenais. Hier j'ai donc été chez le médecin. Elle m'a dit que mes ongles étaient beaucoup plus sains, que c'est limite terminé. Mais elle m'a quand même prescrit encore 3 mois de cachet pour être sûre. Pour pas que. J'ai oublié de me faire couler mon café maintenant que j'y pense. Pour pas que ça revienne au cas où il resterait quelques petits résidus. Et elle m'a également prescrit des contractants musculaires pour ma nuque. Parce que bon, là, ça va beaucoup mieux avec la kiné. Hein. Je sens que, c'est encore mal, que j'ai encore mal et que c'est encore tendu et tout ça. Mais je suis plus complètement bloquée. Au moins, je suis un petit peu. J'ai la tête qui est mobile. C'est déjà pas mal. Mais elle m'a quand même prescrit des contractants musculaires. Par contre, elle m'a dit de ne pas en prendre trop longtemps. De bien aller prendre le soir parce que ça fait dormir. Alors j'espère que ça va marcher. Hein, parce que hier j'étais couché à 2h du matin. Et pourtant j'ai pas refait de sieste de la journée. Hein. J'ai fait ma sieste classique mais j'ai pas dormi toute la journée comme les autres jours. Donc j'ai été couché quand même à 2h du matin. Et voilà. Ben c'est tout. Ma prise de sang était correcte. Elle était très bien même. Elle m'a dit la prise de sang est bonne. Donc oui j'ai mis mon bonnet parce qu'en fait j'ai fait des traits. Je voulais filmer aujourd'hui. Une vidéo make-up, mais bon, comme j'ai quasi pas dormi, bah là j'ai dormi toute la matinée, hein. Ça fait 1h30 que je suis réveillée.
En plusieurs fois, hein. Je me suis réveillée à 7h, j'ai été me recoucher de 9 à midi puisque Sam devait partir, il fallait le réveiller puisqu'il ne s'est pas levé tout seul. Et j'ai été me recoucher quand je l'ai réveillé, puisqu'il était déjà réveillé en fait, donc moi j'ai mis un réveil pour rien, de midi à 13h10. Ouais, à peu près. Il est parti à 13h10 et je l'ai vu avant qu'il parte, donc voilà. Bon, moi je me suis reposé un peu parce que là j'avais passé une nuit de merde encore. Je sais pas pourquoi je passe des nuits de merde comme ça. Donc j'espère qu'avec les cachets, ça aidera. Et voilà. J'ai filmé un petit TikTok avec des rêves. Enfin, avec un rêve du moins. Sauf que je viens d'en poster un autre du coup, puisque j'ai voulu filmer mon TikTok, mais Riley était hyper motivée et on n'entendait qu'elle. Donc voilà. Ouais, je crois que j'avais rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui. Je réflecte. Je sais pas si je vais faire un live ou pas parce que je suis encore un peu flagada. J'ai froid, j'ai tellement froid, j'en peux plus d'avoir si froid que ça. Je crois plutôt que je vais jouer. Allez voir sur la chaîne Gaming si vous voulez voir à quoi je joue. Trials of Mana là, franchement c'est sympa. Voilà, bon, je vous spoile pas plus sur le jeu parce que sinon vous avez plus d'intérêt d'aller voir mes vidéos gaming après. Et ouais. Et voilà. J'avais dit que je ferais un live, que j'en profiterais d'être toute seule, comme ça ça me regardait pas parce que je lui faisais perdre la co, mais j'ai trop la flemme là, je suis trop fatiguée. Je trappe même mal le crâne, mais je viens de penser que j'ai pas mangé, donc j'ai été me faire griller du pain. Oui, en ce moment, c'est passion pain grillé. Mais là, j'ai dit à chérie de me racheter des pains à hamburger. Et je mange ça beurré. J'adore ça, grillé et beurré. Voilà. Ben là, je vais attendre qu'il rentre. Oh oui, j'ai encore bien 2 bonnes heures, 2-3 heures avant qu'il rentre. Donc, je vais essayer de profiter du peu de calme que j'ai. Je sais pas où il est la dinde, hein. Il a dû monter à merder le gros, j'ai Yuki là juste à côté de moi qui m'écoute parler. Tu veux venir dire bonjour? Elle vient dire bonjour. Ouf, pardon. Voilà, tu dis bonjour là, là. Attends, on ne voit pas bien. On ne voit pas bien ta petite tête de gremlins. Tu peux petit maman, ça. Ouais, moi aussi, tu peux petit maman, ça. Ouais, aussi. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, moi j'ai rien de plus à vous dire, je vais aller manger parce que là je commence vraiment à avoir la dalle, donc je vais commencer à attraper mal la tête si je ne mange pas. Il a plein de trucs collés dans les poils, lui, je sais pas où est-ce qu'il va traîner dans le jardin. Il est dégueulasse. Gros cochon. Allez, sur ce, ensuite. Ouais, j'ai cette gueule-là. Il est 10h moins 10. Là, je me prépare à partir en live sur Twitch. Je vais mettre ça sera un tout petit peu plus clair. J'allume pas l'anneau hein, parce que j'ai mal la tête. Enfin, j'ai mal la tête. J'ai mal les yeux d'être fatiguée. J'étais me coucher à 3 heures. Et ouais. Mais en même temps, je me suis endormie dans le canapé de. Yuki! Vous arrêtez tous les deux? Je me suis endormie de 20h à 22h dans le canapé. Donc, forcément, j'ai eu du mal à aller me coucher après. Là, je m'apprête à partir en live sur Trials of Mana, mais j'aimerais bien que Riley ferme sa gueule. Parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. En plus, j'ai dit foutre le bordel dans la cage parce que je suis en train de la laver. Donc, j'ai mis une étagère en bas. Ah, d'ailleurs, j'aurais pu mettre l'autre, j'ai pas pensé. L'autre, elle n'est pas sale normalement. Les barreaux, enfin, les plaques, les grilles. Ouais, ben, je sais pas comment ça s'appelle. Les étagères. Dans le lave-vaisselle, la roue et tout ça, j'ai tout mis au lave-vaisselle. Ça m'évite de frotter. Je pourrais faire pareil avec les portes, sauf que le problème, c'est que je risque d'avoir des titis volants un peu partout. Enfin, volants, rampants, parce qu'ils rampent, moi, plus que voler. Tu la fermes. Ça va être chouette le live avec elle dans le fond, avec ses bruits de phoque, là. Ah là là, je vous jure. Oui, je bois dans ma belle tasse reçue pour mon anniversaire de la part de Marise. Donc là, je vais lancer le live. Hein. J'espère que je vais pouvoir filmer, enfin, live.
streamer. Tranquille. Après, je mangerai un bout, puis j'irai me coucher un peu. J'ai rangé ma machine. Il faut que j'aille ranger mon linge en haut. Il faut que je retrouve la boîte de téléphone de monsieur. Il a paumé sa boîte de son téléphone. Et il a bloqué son téléphone. Donc, il lui faut son code PUC. Et il ne sait pas où il l'a mise. J'ai déjà cherché depuis hier. Hein, j'ai cherché dans tout le bas. Donc, j'ai pas trouvé la mienne non plus. Donc, c'est que la mienne, j'ai rangé en haut avec toutes mes boîtes. Moi, je range toutes mes boîtes d'électronique et tout ça, tout en haut dans mon bureau. Hey! Mais... Et il y a Yuki qui est là, comme ça. Il est temps qu'il aille se faire couper les noisettes. Et je vais voir si je l'aurais pas rangé en même temps avec la mienne. Mais j'ai pas retrouvé la mienne, donc c'est clair qu'elle est en haut, logiquement. Ou alors c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu voler les boîtes de téléphone vide. Après, c'est possible que moi je les ai rangées quelque part, que je me souviens pas où. Mais j'ai cherché dans tous les endroits où je range d'habitude, donc. Donc c'est quand même bizarre. Voilà. Et il va me faire chier avec sa boîte parce que son téléphone est bloqué. En même temps, monsieur n'a qu'à ranger ses affaires, j'ai envie de vous dire. Faut que je fasse la bouillie des titis aussi aujourd'hui. Comme ça, ils ont de la bouillie fraîche ce soir. Puisque je n'en ai presque plus dans le congé. Alors eux qui se chamaillent et eux qui jouent. Je vous jure que c'est chiant. Hier, on a été aux courses, on a été au champ. Eh ben, ça a été vite, ça. On a fait daï-daï. On avait déjà pas envie d'y aller. Yuki, il est en train de fixer Riley comme si elle allait s'envoler, quoi. Mais je crois qu'il a peur qu'elle s'envole. Yuki, Riley, ça suffit, vous deux. Mais c'est... Oh, putain, ça finit en film pour le canin, ici. Il vient de péter, il a pas compris ce qu'il est arrivé. On se calme. Bon, allez, je vais essayer de lancer mon live puisque je l'ai annoncé sur Insta. Et après, il faut que j'aille réveiller Georges. Il m'a demandé d'aller réveiller, je sais pas pourquoi. Donc voilà. J'ai l'impression que mon écran, il est pas bien réglé. Allez, oui, j'ai toujours mes notes qui ne ressemblent plus à rien d'ailleurs. Hein. Les cheveux qui partent en cacahuète totale là. Mais bon, j'ai essayé de les garder attachés jusque demain. Que demain je filme ma vidéo. Donc voilà. Pour l'instant, je remets les mèches dedans. Pour qu'elles gardent le mouvement. Mais bon, là j'en ai quelques-unes qui. Et ça part en cacahuète totale. En même temps, ça fait 3 jours que j'ai mes tresses et que je dors avec. Donc forcément, ça ressemble plus à rien. J'en ai 3 des tresses. Hein. J'en fais toujours une. Enfin, j'en fais 3 quoi. Sinon le mouvement est trop léger. Voilà. Pour la petite explicatone. Et puis tantôt je vais filmer mon nail art aussi. Le doigt à tabac là, je sais plus quoi faire pour enlever le jaune. En même temps je fume comme un pompier. Hein. Mais hein, vraiment. Allez, sur ce, bon, suite du jour, demain ce sera la clôture. Et voilà. J'avais oublié de le mettre enregistré. Je viens de papoter pendant 10 minutes pour rien. Donc je disais, il est 8h15. Enfin, plus, un peu plus. Et j'ai déjà fait plein de choses. Je me répète. Alors déjà que je me répète en règle générale, mais quand je dois vraiment répéter, ça m'énerve. J'ai filmé ce nail art que vous aurez mercredi, ce make-up que vous aurez samedi. J'ai fait l'intro d'une autre vidéo. J'ai fait un peu de rangement. Et voilà, c'est déjà pas mal. Comment est-ce possible, allez-vous me demander? Ben tout simplement, avec une Riley chez soi, c'est beaucoup plus facile de se réveiller à 3h15 du matin. Voilà. Merci Riley. Donc j'ai été me coucher à l'heure où j'ai... Enfin, je me suis levée à l'heure où j'ai été me coucher la veille, enfin, le jour d'avant. Heureusement, j'ai été me coucher à 10h30 parce que j'étais fatiguée, j'ai pas fait une grosse sieste hier. Déjà, j'avais pas beaucoup dormi, j'ai pas fait une grosse sieste, j'ai pas redormi le matin. J'ai été me coucher à 12h30. Jusqu'à 2h, donc j'ai vraiment fait une petite sieste et j'ai lutté jusqu'à ce soit l'heure à peu près d'aller se coucher.
Donc j'ai été me coucher à 10h30. Mais à 3h15, Misra il est m'a réveillée parce qu'elle avait soif. On est content. J'aurais préféré que ça attendre, qu'elle attende un petit peu, mais elle n'a pas voulu. Voilà. J'ai essayé de me rendormir, elle n'a pas moyen. Donc voilà, là vous avez déjà le programme. Hier avec Georges, on a passé une heure à frotter les barreaux de la cage des Titi à la brosse à dents. Elle n'est pas nickel, hein. J'arrive pas à l'avoir. Attends! En fait, les barreaux ne sont pas lisses, ils sont granuleux. Et ben, la bouffe, en plus, c'est des gros dégueulasses. Hein. Ils pissent après les barreaux. Et ils lancent la bouffe dans toute la cage. Tu attends, Ryan! Donc, ça colle après les barreaux. Donc, mais au moins, ça lui a donné un petit coup de propre, même si elle n'est pas nickel. En attendant que Chérie décide un jour à me la sortir pour la laver au Karcher, que je la vide entièrement et que je me la lave au Karcher. Tais-toi! Ils vont venir tourner en rond pour avoir à manger. Tais-toi! Là, elle veut qu'il sorte jouer. Voilà. Heureusement que Georges m'a aidé parce que j'aurais pas su le faire toute seule. Et voilà, voilà. Donc le planning, vous l'avez, comme j'expliquais juste avant que j'ai oublié de filmer sur la chaîne gaming et sur Twitch, voilà, c'est quand je veux et quand je peux. Puisque pour les lives, bah, avec Georges, pour l'instant, on se bat pour la connexion, donc c'est surtout le matin. Quoique demain soir, il n'est pas là, il a un anniversaire. Donc je suis tranquille à partir de 19h. Je ferai peut-être bien un live demain soir. Et je ne sais pas du tout à quelle heure il va rentrer. Ça, il se débrouille avec son père. C'est son père qui l'emmène et qui va le rechercher. Mais bon, comme c'est une soirée dans une salle pour l'anniversaire d'une de ses amies, voilà. Ça, il s'arrange entre eux. Moi, je coulis à cette heure-là. En dormant de l'une oreille, mais je coulis probablement. Et voilà, et comme j'expliquais, ben, sur la chaîne gaming, il n'y a pas vraiment de planning. Hein. C'est, je poste quand je veux, quand je peux, les vidéos que j'ai envie, les rediffs de live et tout ça. Donc voilà, il n'y a pas de planning. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint. Et alors, oui, ce matin, j'ai vu. Attendez, je retourne sur YouTube, sur mon YouTube studio là. On est à. abonnés. Plus que 2. Et on est enfin aux 5000. Alors je sais pas ce qui s'est passé là. D'un coup il y a eu un petit boom d'abonnés. Je sais pas si quelqu'un a parlé de moi ou quoi. Voilà. Écoutez, plus que 2. Hein, pour sécuriser, on va attendre encore qu'il y en ait quelques-uns en plus. Mais je vais pouvoir commencer à préparer le concours. J'ai déjà commencé un peu. Hein, mais là je vais pouvoir m'y mettre activement. Et voilà, je suis trop contente, donc je vous remercie tous et j'espère que ça va continuer à monter comme ça. Donc voilà, là je vais aller fermer la porte parce que Ryan sait les ouvrir, on ne sait pas les fermer. Ils sont chiants, c'est clébard. Et voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce en l'air et tout ça, tout ça. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et moi j'ai plus qu'à vous dire... Bisous, bisous.